Nabelela nzambe nanga Nabelela rabi na mawa Nabelela nzambe nanga Kino wako ya nolanga Nabelela nzambe nanga Nabelela rabi na mawa Nabelela nzambe nanga Kino wako ya nolanga Nakende na mboka niniye Naluka epaya naniye Ubele pai na yo Kolo yako ya nolanga Nabelela nzambe nanga Nabelela yawe na mawa Nabelela nzambe nanga Kino wako ya nolanga Seigneur, merci pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivront à travers tout le réseau. Que Dieu le bénisse. Les jours ou la nuit où ils suivront cette petit entretien, Seigneur, que ta main les touche, que ta main les touche, que ta main les touche et que tu sois la réponse à leurs problèmes. Merci notre Dieu de visiter toute personne qui suivra cette émission. Que tu sois avec nous du début à la fin. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, amen. Amen, pasteur. Cher ami internet, na pesibino mbote bisika bozali, bozabongo en direct ya Fairmont HD. Il y a des mbawimo kotri wa masomo de fasaka makona Paris, lelo na ekoyamba pasteur to sola mukie. Na prophète Wilingandu Ezekiel donc toi qu'on solana moi mouké koué ba moi origine ya église na biso ECJR Oezabongo na Saint Denis toi qu'on betana li solo a expliqué biso pe vision wana ya ofungula église ou bien ko encadrer église wana e uta ki wapi pe e banda ki wapi après to sola pe li susu na bakokoso oyo ezoleka na mboka na biso sur le plan spirituel parce que babimbo ke tambola maka na basal nzambi na Saint-Esprit sikoto se bate Saint-Esprit ya mboka na biso soki aza kote nini no so twana to solango na prophète Willy Ngandu na ropesa bambote na ngai na couple Nicole Finga, Ascenseur Motemaya, José Kaluji, na mama Espé Guylaine Moussoba, Motemaya, papa Devos Moussoba, la Pesibino Mbotezali, Nazo Yamba déjà invité Nangai, honorable déjà, bonsoir prophète Willy Ngandu. Bonsoir maman, j'aime pas trop bonsoir, même le soir, même la nuit, moi j'aime bonjour. Bonjour papa Willy. Bonjour maman, bonsoir ça veut dire... Aller dormir, ma camnonyo suis là, vie no est là. Bato baza trop spirituel. Trop spirituel. Même baza ba franc-maçon, jamais balo ba bonsoir atamba koutana. Bonsoir, ils attendent ba kindaka, koutika moutou, ape manakimia. Wana balo binaye, bonsoir. Mais bonjour, et d'apona tina bisoba nanzambe. Mon bonjour, ça veut dire l'allégresse. Tout se réveille. Bible zulba ki na pokwa tozali kolela mena tongo ezala allégresse ezala nesengo. Amen. Bonjour les amis. OK. Prophète Willy ndenga uchuko yo kana intro na ngai to linga to ibana no ECGR c'est quoi d'abord? Ensemble déjà ezanini après to kota na kati ya yomoro ya muzindo ya yomoro nan. Donc origine nan ya église na yo ezanini. SGR et Zali Vision Zamba Pesakingai, ça fait à peu près deux ans Sikoyo. Deux ans Sikoyo, Église et Zali SGR. Mais avant Ezaki SGRT, avant Ezaki ASEKA. Depuis 2017, Zamba yeko pese biso vision oyo ya SGR. Ça veut dire que ce n'est ni le rejet ya ASEKA ni ko bandelelo ko ASEKA, mais c'est la même continuité mais d'une autre façon
onzamba lingaki to to kenelango yango tozali SGR lelo depuis 2017 tozali SGR, ça veut dire Église la cité du grand roi. Donc SGR, si je comprends bien, SGR ezali mwana wa botami na aseka. Non, SGR ezali mwana wa botami na aseka te. SGR ezali SGR ngande muto. Voilà. Voilà. Monsieur le prophète, on a déjà expliqué biso par rapport à l'assemblée. Bon, ce qu'on a eu, mon conan, comme ko bandane bandeti, ou comme un prophète, il a eu comme un avina yo, et un élo moko, quelqu'un qui comme un avina, ton famille na yo, to ou tina famille moko chrétien, yango le lope, ou soit accompli kaka mission en Zambie. Non, bat moussousou, n'engi kan zamba lubana Jérémie, que j'étais vraiment depuis le ventre de ta maman, je t'avais déjà choisi. Ça veut dire que Zana ba Jérémie est belé, après Jérémie en Bible, ba open zamba pona depuis à Libumbongo, mais il y a kumonana, tango misalango e bandi. Donc, kosa la nangan zambé na bandi ango vraiment mwana mouke. Mwana mouke vraiment ba ne je crois et cause à la pour la première fois na yoka mon Jésus-Christ c'était na 83 ne na yoka vraiment mon Jésus-Christ dans une assemblée na Congo et puis na bandi ko s'intéresser un peu pour mwana mouke mais après kokola moni to yoko bosa na biso na kotanga na ba classe na baninga Teko bosan un peu mais liboso ngai nazalaki ko sambela na Bethel ando kendeka ko prier Bethel mais eye ko salamake place tobandi tobanda ko fanda na kin na veni mavungu na bandal ezaki na église moko wana biso tozaki na numéro 10 église zaki na numéro 2 C'est-à-dire, à cette époque, l'église est où tu as une église, où tu as assisté à la scène de la militaire, à la bengani, à la bengani. Si tu as un bateau, tu as une église qui est en 92, en 92. Tant que tu as un bateau, tu as une place où tu as une place na tu as une place où tu as une place na bando mona makamwe bando sala makuna bino ata balungwe ne ba bazolo ba bazofinga jour moko kaka boye na zaki na bando tanga na institut salongo de bandal jouana kenda classe te na kaka na lamuki na tonga bino na kende nano na prier lerona kika na prier ezaki na ba 10h église na kit mona bando mona place wana na 10h muto abenganga te Mutoaya ko kote yangati na kenda pe na zobela te po bomo ibsanga na yawana na zobela na kenda na zobela te ezaki kilte ya bando benga ngo kite a reception na 10h c'était na 93 na 93 nde na zui makasi na kewana et tozaka na bazaki kiltwana ya 10h wana ida kita avec les prophètes et les prophétesses to basambeli batwazo yo ka onzamba zo loba pona bango tanga na ye na ye bakite ki ce qui s'est passé là bas na ya ka pona prier na ngai pona mona ba ngo bazo prier donc église na numéro 2 biso na numéro 10 na tambla ka malembe na ena na prier pona zonga na ki continue makamla na kuta na sœur moko na prophétesse Comme on est sœur Christine, que Dieu te bénisse encore la sœur Christine à Otaki Delvo, à Otaki Asekaya Delvo, à Yaki Plaswane. Donc, l'église est Otaku Kabona, ça faisait à peu près 6 à 8 mois. Nde Bazakina, nous, avec Mukuna, je le bénis aussi, je le salue. Les lobes au Benganaye, lobby, bateau, Bakendaï Kuno, Bakozon, à Plaswana. Et j'avais trouvé en lui, le soir, après tant qu'il a prêché, j'ai dit non, vraiment c'est un homme de Dieu, que je commence à venir ici pour écouter la parole de Dieu. C'était na Ezaki vraiment na début, je crois, à 93,
ou na katikati ane 93, non, je crois que entre mai ou juin, parce que à ce que zongi plaswana, je crois en avril 93, si je ne m'abuse pas. Donc ne na bandipe ko ya wana ko prier. Et Dieu a commencé à me toucher, Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé. Et je ne comprenais pas ce qui se faisait en fait. Mais je voulais toujours aller continuer à prier à Bethel. C'est ma grande sœur. Ah, mais pourquoi au Kendaka, à Bethel, les a-t-il ce qui n'a premier Rikuna yo, église, les a-t-il Pembenia. Des places Nabanda au Kenena, c'est qu'à depuis 93. Et puis. En décembre 93, tout ça, il y a un service moko à Sainte-Seine pour nous préparer Sainte-Seine. Et puis, il faut passer par les eaux de baptême pour nous aller à Sainte-Seine le premier. Tant on a accueilli, j'ai déjà maté pendant 6 mois. Tant on a le mois dans l'église, comme il y a à peu près 20 à 30 personnes, nous avons eu place où on a. Et dimanche, tu as été avec l'évêque Lelo, l'église, et comme on est envoyé. L'église, le prophète, le serviteur, pour le serviteur, l'église, pour soutenir l'évêque. Donc, je suis le premier serviteur à Telemaki, na ACK, na Bandal. C'est-à-dire qu'en décembre, avant que tu. Tout ça, la Sainte-Seine, wana, Nzamba Lobeli, na canal, ya prophète Kancha, paix à son âme, Abissi évêque, en tout cas, Nzamba Zubela, na pona mwana oyo, n'kola ku utilise ye puissamment. Et c'est à partir de wana, évêque m'a pris, to kotina kati intercession, to bandai ko prier, et effectivement, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux, pour commencer vraiment à prophétiser sur les gens. Nazaki na 4e des humanités à l'Institut Salongo de Bandal. Voilà. Donc imaginez un peu moi na ya 4e année wana Nazaki na jinine. Tang na bandi décembre wana esili tant au côté janvier 94. Maman, c'était du boum. C'est-à-dire que c'était l'explosion na koy bisayo, la puissance na Nzambe place wana. Je dis pas tout simplement ngai, mais avec les autres serviteurs aussi. Nzambe a utilisé ki biso makasi église o ezaki muke. Muke kaka. À l'espace il y a quelques années à ce qu'aye ko vimba. Et j'étais le seul prophète. À part le prophète Kancha, Oarandaki, Kofanda na Kikwiti, après Azoya, de temps à autre. Mais j'étais le seul prophète et à l'église ACK. Oyo, vraiment Zambé, à Salinanga Moussala pour na église naye et Tomboma. Tinandengepe et Tomboma qui. Et voilà, c'est à partir de là, dans le Bino, dans Kangamakana Zambé, Zambé à Zanabiso. Et que ça la paix, na fin 99, nous avons eu le Fongolanga Banzela, tout est pas éboué. Awa paix, tant que tu bandis, tant que tu kotani awa na ba frère paix moussous, on a zopé sa bambote paix place Vazali, tu es au kotana awa, église paix, aseka et bandi lissous. Mais nous avons eu le fait que nous avons eu le fait que nous avons Suisse. En tout cas, j'ai payé vraiment du prix pendant à ce qui était le mamboka. J'ai vraiment payé. Ba frère Mzusu na 80 na 2004 2005 ba ekoti ka même biso ba tiki ba sundoli ba ke sa la église Mzusu mais to tikali à ce cas. Ah, nazo mona kutu ba Mzusu le lo bazo Kochola, Kofinga, mais nazo comprendre te, mais bakenda batika biso, to tikala aseka. Pour ceux qui n'ont pas kenda bango aseka nga isa susute. Donc depuis 2005 wana, to yeko maintenir 2004 yeko maintenir aseka jusqu'à 2017 na yeko déplacer et 2007
naiko déplacé na ke Londres. Na ke Londres pour na makamuka personnel. Jusqu'à naiko zongé pa boy na 2010. 2010 nena moni makam ndenge kumakina ba frère na tika kya wa pe église habité na okota sus na na makamwana ya CKT na bandi Musa na nga mususu. Onzamba ebisekinga na Londres ko banda Musa la wate zonga na Paris. Na Paris ndi na place na zana yo besoin. Na comprendre te na zonga awa na na 2010 nde na bandi musala wana na zana kote ya na zana kote ya Carrefour player kuna. Na bandi église wana et ko coïncider pe que tant na bandi musala wana un mois après avec mukuna ye awa aye poto. Tango aye poto aye ukuta ase kango ndenge tikalaki bon kota na ba detail belete donc amoni vraiment tinate mais ngai kote wana na sina bandaki musala na sali pe na seminaire moko place wana habite na kota suma kamba se kate voilà c'est le vrai qui m'a demandé asengi ngai alobi vraiment papa comme musala ngope ucho banda awa pe na seka naza vraiment suna mutu penzate yo zoka bato zana bangwana yakana malgré que ngai naza géniteur ya seka wana mais na tika ki amino je ne veux pas entrer dans ma bouzo ba susu nzamba pe sina vision na ngai na zolande comme c'est un papa que j'estime beaucoup qui m'a dit vraiment que yaka to yaka kana bato wana zana bango na lingite ke place wana ekufa yaka kaka nzamba ko sala musala ayibindeni na kotongwela yo na awa Dieu me témoin un dimanche batu baye na église wana na bisiba ngoka partir ya lelo to sambela ce soir te voilà to change adresse ba comprendre te to lungwana bango Carrefour player inde inde ti to ye la briche donc na yo kaba msuba kizanga ndenga na yibi église ndena yibi aseka na komisha ngwe seger donc c'est ça bato ba yibina no nzambe tende ba koza na mentalité ndengwa on nzambe ba yiba ke loko na yete loko ya nzambe ezaka ya nzambe na banda lungwa Swiss na zotika libota na zotika ya ngai bana mike na zo ya kofanda wa pona aseka ekoli batunsusu basakapare na ngosusu na tiki na kei long tane na bandi pe wana evek asengi nga evek yemoko Dieu me témoin abi yaka en tout cas zoka ka seka awa continue tokocha maboko metala ka keno na zuya seka we tikala ina 4 personnes awa zamba sungi eglise ekoli bangoko wana baye bakabole ngu lisusu na Pasteur, sur la question malobaté, sugo, est-ce que SCG wana, esa combo oyo, ozwa kiango, nandenga ozwa kiba peso abiketen, désormais combo oyo, ba révélé en fait les noms qui ont changé, hein, ba bio aseka changé ango combo, ou bien esa combo moka yomorondo personnellement au changé kiango. Te SCG ezali ayez par rapport ya révélation en fait ya mabondeli. Na direction Zamba, Zamba zaki nango mission on Zamba lingaki vraiment na sala. Donc 2017 Zamba bisinga non mission na yo na aseka c'est fini. Yo bima. Ngamonde na bimi na aseka voilà. Na recommandation na Zambe. Na bi non na tiki na ngai aseka na bimi. Donc sans ko senga eloko na mutu sans ko zwa eloko na mutu batu mususu ndo non comme yo bimi. Bisobe tokojina vision nayo ya aseka le rôle ndenge Joshua landaki Moïse effectivement donc nabimi donc SCG Rezali cité zamba bisinga que mission na pesio suko c'est de préparer mon peuple pour le faire entrer dans leur destinée. Leur destinée c'est où? C'est dans la cité du grand roi. Voilà. Merci beaucoup pasteur Siko na parcours nous surtout ande ko sala wana na kati aseka ozaki toujours prophète en suko ba comme ça rabino prophète ito eza don onza ma pese ki ya prophétie non je crois ba tout ce ba ko témoigner ezali
Edali prophète te ya oya moto amitié titre. Ah, eza titre nga eza titre te. Nga eza li capacité spirituelle nzamba pesinga. En réalité en fait. Voilà. Voilà, ezali ezande moi. Je me pour juste illustrer un peu quelques on peut c'est un peu moins exemple hein. Na Kinshasa na je crois les lieux comme télé nini télé Congo ne combo na nini ni ça on a non nini OZRT kulibosho za OZRT RTNC donc so ba ki kuna ba okuta ba image mususu oyo un jour tous qui wana na aseka Zambé a ibisinga ke lobby wana to avant jour wana Zambé a ibisinga ke lobby moi si moko akoya awa akoya na problème ya baibie mwana ekoyebana na Kinshasa mubimba ne baibie place mutu baibie mwana na Zandu. Mais le lendemain, comme nous avons fait la prière, nous avons fait l'église na Bosani. Na lobi pe na mututé. Le lendemain, na kati église, nous avons fait l'intercession na tongo. Nous avons fait un couple qui est au côté. Moi, c'est à Zolela. Que baibi et moi, na. Mon bal est sur la porte. Pour moi, c'est bien. Na kena église. Pour mon bal, on a kena na place mususu. Sugi anganga, sugi ne ba ketalis. Ça faisait déjà deux jours. Bébé a son monanate. Baye ne a na kachi l'église. Directement na yoki na oracle. Kola le benga ke couple na ezaki yangwan. Moi na bango aza na je crois ezaki na bumbu. Aza na bumbu na vini tel. Ça fait. Na place ezate ya batuto ye bani na bango. Baye zamba le beli bango. Bakeyi. Effectivement quand na le pango na adresse na nyo stango batoki kaka moi sur aiba ki mwana moni bango a sauté mi ba récupérer mwana bango RTNC e yati na aseka na église ah pona ko interviewer pona ko na zo ba susu nzamba na donc ba tourne avec moko na ba tourne ba de kunyonzo ne ba ko yebisa bango qui est vraiment prophète Willy. Parce que moi je n'ai aucune rancune. Un homme de Dieu ne peut pas avoir le rancune. Okay. L'évêque Mukuna, je l'aime beaucoup. Tous les serviteurs, je les aime beaucoup. Je n'ai aucun problème dans la bande comme ce soir. Merci Papa Willy. Pendant que vous avez internet, Papa Willy, hein, prophète Willy Ngandu, Aza prophète Oza Teko nommé to Eli. Voilà, non. Abotaminango, Abotaminango, Eza Eloko Oyo, Nzambe Ache Katinae. Donc il est l'open d'Ambalbe. Nzambazo Azo Lobelae, donc Eza Moussala Nayo Nzambe Achae Nakati Langanae. Prophète Willy Ngana Tuna Siko, Oksoke Oyo Sala Biso, différence y a prophétie na évangélisation en fait. Parce que des fois, tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout compris. Il y a un évangéliste, mais il y a un côté à la prophétie. Il y a l'église qui est un peu plus de comprendre. Mais l'occasion est un peu plus prophète. Il y a un peu plus d'expliquer. La prophétie est une évangélisation. En fait, moi, en tant que prophète, je peux bien définir un prophète. Un prophète, c'est un communicateur. C'est un communicateur entre l'invisible et le visible. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit ce qui est dans l'invisible et qui le donne au visible. C'est pour cela qu'Ézéchiel dit, je suis dans ma poste et je vois les dangers, je vois ceci, je vois cela et je sonne la trompette. Donc, c'est-à-dire que c'est ça un prophète. C'est quelqu'un qui voit la pensée de Dieu en fait, qui connaît la pensée de Dieu, que Dieu révèle sa pensée, ce que Dieu veut faire pour son peuple, ou sur la vie de quelqu'un, Dieu le révèle. C'est-à-dire il prend l'invisible et il le rend visible. C'est ça un prophète. Donc c'est quelqu'un qui est un communicateur entre l'invisible et le visible. Avant tout côté la définition Bible vraiment à Pessi, entre prophète et les autres ministères, voilà. Donc les évangélistes, c'est pas aussi un don à négliger. C'est
Un évangéliste, c'est aussi un communicateur, mais c'est lui qui annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire qui gagne les âmes pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est évangéliste, c'est-à-dire qui parle, qui annonce l'évangile de Jésus-Christ, qui fait faire connaître Jésus-Christ à ceux-là qui ne les connaissaient pas avant et les ramène dans le royaume de Jésus-Christ. C'est-à-dire un évangéliste, c'est quelqu'un qui évangélise et qui doit aller de lieu en lieu pour le faire. Ça veut dire un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui peut avoir une église fixe, non. Un évangéliste azamuto atambulaka azo kende bisika na bisika pona ko benda batu ko yana bango sikoyo n'église place wapi ba prophète bazali place wapi ba prophète bazali et plus ba pasteur bazali ba apôtre bazali pona ko guider sikoyo batwana. C'est-à-dire évangéliste azo mema azo kotika ba pasteur ba prophète ba guider sikoyo batwana. Donc, évangéliste à cause d'une église, t'es évangéliste à une église moko. Non, il faut à une église locale, mais Moussa naïe zali, kokene na bamboka, kokene na bafin fond, kokene na ba ville minene, pona kokene koloba, kopanza sangona, kolo Yesu Christo. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ma question est belle, pasteur, parce que là, dans une occasion, prophète, vraiment, il y a beaucoup de temps. Après, on éclairci, on a dit que nous vraiment dans l'ignorance. Question sous Eza Boui. Corps pastoral, sur le plan administratif, organigramme, c'est comme on a l'église, archibishop, pasteur. Parce que là, dans la Bible, on voit les évangélistes. Tout le monde a un prophète. Tout le monde a un prophète Élie. Tout le monde a un évangéliste Oazar et Bélé. Mais tout le monde a un évangéliste selon Luc. Mais quand on parle d'archibishop, tout le monde a un bishop, tout le monde a un pasteur. Organigramme, on a eu le titre là, et Outa Wapi. Parce que surtout que nous sur les plans. T'es spirituel, Nandenge a dictionnaire en fait. Voilà, dictionnaire, azopesa, azopesa en définition moussoussou. Bato ba servaka, ba vin, na kati ya nin. Où est-ce en Italie ou nin? Comment on dit? Na Italie. Na Rome. Na Rome, donc on a comment on dit? Vatican. Bon, bato ba servaka, ba vin. Bato ba servaka, ba vin, na Vatican, ba mwande ba benga ba bishop. Voilà. Si on a quatre églises, on a l'église comment on a organigramme, on a un bishop, un archibishop, un pasteur, on a tout et outa wap. Ce qui vraiment, on a éclairci, on a une place où on a vraiment. Bishop, c'est servir 20. Bishop, c'est le mot anglais qui veut dire tout simplement pasteur ou révérend. Donc, c'est ça le mot bishop. Les lots archibishop tout ça ce ne sont que des titres au batoiseau mais pas ça. Surtout je suis pas là pour juger les gens parce que Nzambe mouta ou juger biso na souka ya makamunyo ce sont qui n'a pas de juger les lots Nzambe ya salanine. Donc Moussala ya ou juger tout tigre l'inzambe mais ba ou ba mi pesa ba titre wana. Vraiment, c'est juste par pure influence et aussi juste l'orgueil. Et puis, ce sont souvent les gens qui sont faux. Je crois que quand on me peut citer Trarché, tout ça, c'est juste pour que ça sonne bien aux oreilles, afin d'attirer les gens juste dans Ndengwan. Mais Jésus-Christ, c'est un homme simple. Jésus-Christ n'a jamais été un homme orgueilleux. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Voilà. Pour attirer, pour nous attirer. Non, c'est un homme simple. Quand il passait, personne ne savait même qu'il passait. Mais ce qu'on dit, un serviteur de Dieu orgueilleux, il vient de quelque part. Parce qu'il n'y a que Satan qui est orgueilleux. Un homme de Dieu orgueilleux, ça veut dire qu'il appartient à Satan. Dieu n'a jamais été orgueilleux. Dieu est simple. Jésus-Christ est simple. C'est pour cela qu'il ne veut pas même que ses serviteurs puissent avoir des titres. Moi, le prophète, c'est tout simplement parce que vous m'avez demandé et ça a été resté comme ça, prophète. Mais j'aime pas mettre les titres avant. Mais j'aime mettre vraiment les œuvres avant.
Merci beaucoup, prophète. Ce qu'on a dit, nous avons toujours une question sur l'église et continue à la politique. Surtout là, je parle déjà de la République démocratique du Congo. Tout le monde attend la musique, il y a déjà que pasteur Intel, pasteur Songolo, archibishop Songolo, mais kotisi na kati ya politique. Est-ce que c'est utile que basel nzam eba mi kotisi na kati ya politique? Tout est important. Non, que les hommes de Dieu laissent la politique aux politiciens. Voilà. La politique ezali jamais compatible avec l'œuvre de Dieu. Non. Si vous êtes un politicien, faites la politique. Mais il ne faut pas mélanger la politique et l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup vraiment de vie et de contraintes. Où il y a une politique à soutenir. C'est-à-dire, si vous avez un pasteur, un politicien, vous avez choisi. Vous avez politique. Mais vous avez une église où pasteur est en même temps politicien, en même temps pasteur. C'est vraiment du faux et archi faux. Avant que vous soyez un ennemi, Parce que Aza déjà n'a pas ennemi, ça veut dire que Aza Mouto dinte à cause de son micro, comme on a vraiment côté. C'est-à-dire que Dali, Bible est sûre qu'on ne peut jamais servir des maîtres. Si on veut choisir Jésus-Christ et servir Jésus-Christ, on va le servir lui seul. C'est ça sa réponse même à Satan. Il avait dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et aussi, tant que Satan a dit que non, à genoux, non, on peut se gloire, non, so, yo, y a pas politicien. A dit non, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. Voilà. Voilà, lui seul. Et non pas lui et la politique. Non, lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Qui est lui seul et non pas avec la politique. Ceux qui ont un pasteur politicien, ils sont en église. Ils sont en Zambé. Pasteur, ce qu'il y a pour l'asile, il y a un pasteur. Asile, il y a un pasteur. Il y a tout le monde qui a un pasteur. Il y a un jija. Pasteur, il y a un kingunda. Pasteur, il y a un salibo. Est-ce que vraiment asile, il y a un seul dans Zambé? Ils ont vraiment un logo, ils ont un logo normal que nous tous à l'asile ou bien façon oh ben en Zambie ils ont signé surtout bah on va ça bah Kambi des ils ont signé l'asile na bah on a bamboka bah paye est-ce qu'ils ont bien tout ça ma bé parce que lui bah pasteur politicien ceux qui déjà c'est ceux qui vont camboner la politique ah ouais c'est un gunda donc ils ont ma bête ceux qui déjà gagné à signer un gunda pour na ma camboner à activité politique naie. C'est pas un péché. Mais ça va passer un souvent dans la carte politique. Jésus-Christ aussi a Zakingunda. N'est-ce que Jésus est mort à Zakingunda? Abraham pas à Rangunda. Voilà. Bah, c'est belé, c'est dans la Bible, tant qu'au Kende. Voilà. Bah, Zaki Bangunda. Mais il y a vraiment quand même Zakin objectif Moko. Parce que il y a mort Jésus et Zaki justifié. Parce que Hérode a demandé qu'on l'ouka, il y a pas bon maillet. Parce que bah moi déjà bah révélé qui arrivé moi la moto à Botamaki voilà. Y a Abraham P et Banaki pourquoi bah Akimaki mais c'est quoi y a Bissou Alélo Abraham Akimaki Nzala Abraham Akimaki Penzala en plus y a que cosa que non oh moi si nanga eh oh yo moi si naie azoba que moi si naie tende kunaie donc mais ezeka na kad ya Okimanzala mais au moni tangu Nzambe aye a pinisa qui était Nzamba lingaka pinir wa lingaka zwa mwasi na ye. Ezeke mutwana, Nzambe a revele mutwa yivise tala. Azo kosa yo, mwasi na ye. Mwende kuna yete. Ozo mwona. Ngunda ba pasteur, je peux dire tout simplement que Dieu peut utiliser les choses inutiles pour les rendre utiles. Nzamba koku utilize makambo ezali folie na misu abatu pendant au komisango ya minene
Dieu peut utiliser n'importe quelle voie, quel moyen, tout simplement pour stabiliser Moutounaye Awa, parce qu'à Yébi qui a dans la mission, Mounena Kosala, na Moutouana. Quel que soit Manzela Kokende, quel que soit Nzela Kolekela, Poazoa Mikanda. Ce n'est pas toujours quoi, Kocha Misapiko, ah, Sengingunda, oui, ah, Sengiboye, ah, Sengingunda, Sengiboye. Ezali tout simplement que Dieu utilise beaucoup de voix pour stabiliser Moussa Inaye. Il peut utiliser aussi Angunda d'une façon ou d'une autre pour stabiliser Moussa Inaye. C'est Dieu qui jugera. Donc, et quoi vous allez dire pour Asengi, à quel cosa et à l'issum? Non. Donc, qu'on stigmatise pas parce que dans Zambou, Bazo Sengangunda. Parce que Ezali n'a droit pe na bango, c'est-à-dire Moussa na Nzambe pe a ko senga ngunda na ndenge loi ya mboka a komili ezo sengela. Parce que abi place ma colonel sikenyati eza o epesa meli. Amen pasteur. Amen vraiment to komi vraiment ko koma ko kini vraiment na suka émission na biso. Lionel ma rapongo merci déjà na ndenge za sima caméra mais o mekambe ko tila biso ba extrait ya ba makambo ezo le kana katsa mboka na biso ba liwa. Baliwa ndenge makila ezotanga na Congo yo en tant que prophète parce que tout monde qui na Israël bakenda ikolela et pas prophète Eli ndenge to sola ki dernièrement c'est parce que fakito esfaik ba habitant Jéricho fakiba zonga na source abala ki sa prophète Eli source ya mai ko bango ba melaka na kati ya mboka Jéricho pona mboka wana ekoma na kimia yo suko en tant que prophète biso toko sala nini pona mabele ya mboka na biso ezonga na kimia po ba image oyo zomona deja ezo pesa na pasi na mawa malgré tozana mboka bapa ya mai ezo pesa pasi na mawa yo en tant que prophète okoloba nini pona peuple congolais. En tout cas, c'est vraiment une très bonne question. Le peuple congolais oyo ngai na koko biso bango ezali simple. Le Congo, c'est un pays béni par le Seigneur. C'est-à-dire que Ezama Bele Oyo Zambé a se jiraki ya ko pambula ba habitat na yango po ba habitat na yango ba servir ye. Alors, biso ba habitat ya mabele wana tango tokomi depuis le temps de nos pères. To tambuni na banzela ya Nzambe te. Tambouli na banzela ya makambu zangitina ya bakutima jusqu'à ce que to ye ko vendre mabele na biso et pas Satan. Pona ke s'il faut même faire le pacte avec les diables, je le ferai pona Congo. Ça to yebi mutaloba yango. Ça dit que mabela Congo ezaki susu ya Nzambe te. Et commis à Satan. Il y avait quelqu'un qui a livré. Voilà. Donc c'est juste na wana déjà ba Congolais le bamona kango malobane zaka simple. Donc c'est qui simple était. C'est pour cela au moni lelo Nzamba a utilisé le président Félix et Félix Tshisekedi pour nous côté le mapé na stade Kolobaki en qualité à président de la République. Azali ko casser malédiction na ndenge Élysée asala ki ponati na bana ya Jéricho. Donc na ko yebisa ba congolais que geste wana salama ki na stade, c'est vraiment un geste fort. Ngana ko yebisa bango que Bible zoloba si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simili prie, cherche et invoque mon nom, je les exaucerai des cieux, je les bénirai et je guérirai même son pays. C'est-à-dire que si le peuple congolais pouvait retourner vers Dieu, sortir de la haine, sortir du rejet des autres, sortir surtout des accusations inutiles et bidons, en tout cas, le Congo sera une nation bénie. Oyo discours président Azopé ça que Eko nourrit Congo, Eko nourrit des tiers à l'humanité. Non, Congo Eko nourrir toute l'humanité même pendant 100 ans parce que c'est un pays béni. C'est une terre qui est... voilà, c'est une terre vraiment riche.
na kolo bake ezali vraiment Congo ezali panier de ménagères hein, pour l'Afrique mobimba et pour l'Europe mobimba. Donc nous peuple congolais qu'on s'humilie et qu'on cherche Dieu. Tout ce qui est tiraillement, qu'on est là, qu'on finit là, qu'on bende là, il y a un monde Congo plastique, congolais plastique, c'est azolé que ça. Congolais linga, congolais thé, congolais. Et ça maloba. Voilà. Et ça maloba. Satan tient à minou na biso. Pour kaka kepe congolais balinga na, alinga Congo mususute, alinga congolais mususute. Non, il faut vraiment tout changer yango. Il faut congolais alinga congolais. Ah. Donc tant que tu sala yango non seulement yo mutozo linga okozala beni na muto yo lingi akozala pe beni parce que l'amour est Dieu, l'amour est puissant, l'amour est fort parce que Dieu est puissant, Dieu est fort. Amen, pasteur. Déjà, église SCJ, pour nous informer, binou, église SCJ, ils ont organisé 3 journées à un séminaire sur le thème « C'est quoi la source de ta souffrance ?» Venez très nombreux à la conférence qui sera tenue dans l'église SCJ. Venez très très nombreux, Dieu va parler, Dieu va faire des grandes choses. Vous allez vivre des merveilles de Dieu et inviter aussi des amis, des connaissances pour participer à cette grande conférence qui sera tenue, c'est ce vendredi jusqu'au dimanche. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis devant vous pour vous présenter un grand événement que l'église SCJ organise ici même à Paris, à Seine-Saint-Denis. L'adresse 71 rue de la Briche, Seine-Saint-Denis. Donc les 3 jours sont les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10. Venez nombreux, invitez vos proches, la famille. Si vous croyez à notre Seigneur Jésus-Christ, vous verrez ce qu'il va faire. Il fera de grands miracles. Dieu va faire de grandes choses parmi ces 3 jours. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, nous vous invitons à l'église ECGR le 8, 9 et 10 novembre à l'église La Cité du Grand Roi qui se trouve au 71 rue de la Briche à Saint-Denis pour un thème « Quelle est votre souffrance ?» Nous vous convions à un grand séminaire qui va se dérouler à la Briche. Vous allez venir découvrir notre église, le prophète Willingandou, ainsi que toute l'assemblée ECGR. Nous vous invitons nombreux, ne manquez pas cet événement. L'adresse se trouve au 71 rue de la Briche, Saint-Denis, 93 200. On aura pour thème, c'est quoi la source de ta souffrance? Tu dois venir voir, tu dois venir entendre la parole de Dieu qui va nous édifier, qui va nous aider à comprendre quelle est la source de notre souffrance. Avec le prophète Willingandou. Esaïe 49, verset 8, la Bible dit, au temps de la grâce, Dieu vous exaucera. Au jour du salut, Dieu vous secourait. Au tout naka, au tata moisi, muta salangaboué, oh maman leki. Voilà un thème que Dieu a envoyé au travers de son serviteur Willingandou pour nous faire découvrir Bino quelle est la source de votre souffrance. Il est temps que Dieu te secoue. Il y a un thème extraordinaire. Nous voulons savoir la source de ton problème. Alors je vous invite, ici quand nous sommes allés, on a la vente à la malzerbe, la vente à la mêlée, le train, le transport, et que nous allons pouvoir pour l'abisso. Alors on a invité Bino pour hésiter. Il y a Kato Sangana pour la locomo en Zambé. Peut-être tu vois beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a une source, il y a un problème. Voilà pourquoi viens assister à partir du vendredi 8 novembre, samedi 9 novembre. Jusqu'au dimanche 10 novembre. Tu vas venir entendre la parole de Dieu. Tu vas venir comprendre. Nous allons être bénis par le serviteur Willy Ngang. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Donc, na oyo zananda kuwaz ozalanda kuzani loko salate oya rolanda émission oyo kohésitete koya na kati na église ndenge obimara pona kokende kotambola kaka ndenge obimara pona na kokende na ba magasin kokende kotala ba vie ya batu mais ozala bien oyé pona oyo bana nous source
source oyo ebimisa kona bandako source oyo etchaye loro mo katikati na ndako ebimisa kao esali sako ba babiloko oyo eza inutile donc tant mukie tant oyo l'examen susu 10 heures na makambo ezanga china mais soko yé pona 2 heures de tata pona 30 minutes peut-être jour on aime sous sous Egozala délivrance pour naio aime sous sous Egozala source ya cerveau naio confond ma pour na discernement au commanda co discerner ma cambo et comme il a quand on a fait au examen à libota naio ou bien à moussa ou bien entourage naio parce que ma cambo c'est où t'as qu'un affamité ma cambo non surtout et arrêté que singa ya famille non et la peine à battre tout l'heure à la banque parce que elle toujours partager ça ni toujours partager vert toujours partager njoto. Nous sommes tous et comme on a lien, tous en contact déjà directement parce que amnabiso et zoro s'est communiqué. On revient dans d'autres bosso raisonna mutuboy mutuboy. Donc yango on a bengi binoboya ebélé. Donc le 8, le 9, na le 10 novembre oyo. Donc bosso la dessus te R est normal. Et ça neti vendredi et ça de 18h de 18h30 à 20h30. Les samedis, et ça de 17h30 et 17h juste à 19h30. Et les dimanches, comme d'habitude, et ça bon, on a 15h juste jusqu'à 17h, 18h, kilt, et si après, on va au salama kambounayo. Donc, pour l'anzambe, tome kempe kozonga, tome kempe kozonga, na nda kwa nzambe, parce que tant ils aient souhaité. Tant ils aient souhaité, a jésus kende, mais faut y barapé na nenga mo limo. Tant ils étaient parce qu'à Robin Lassol et l'eau brusquement ou rebato qui m'a parce qu'il y a qui m'a attendu un jambo à Monaka partout parce que prophète to commis à souka vraiment il y a émission abisso un mot de la fin par rapport il y a trois journées oyo oyo organisé par rapport il y a église coupé sa peine à programme il y a l'église hormis un séminaire coupé sa peine à programme il y a église n'a pas si ban en zambé n'yon son beauté. Place Bozami, Lissousou. Nago Kolobaboy. Séminaire Oyo Tozanango à partir ya vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre. Nago Yebisa Moutazo Landangaboy. Et là, séminaire Oyo et Pesami na volonté ya Moutouté. Parce que ça fait depuis 2010. Na ndenge na banda ki musala ao na Paris na ndenge na ye ko banda SG depuis 2017 tilelo nan na se telemite pona sala séminaire juste pona ko sala non j'attendais le moment j'attendais le temps de Dieu et nzamba ko ibsanga zoatem parle c'est quoi la source de ta souffrance. C'est un thème donné par Dieu lui-même. Ndenaib sarabatuke comment motoko sambela. Oko komilo bakoza chrétien ta pendant que oyoka kanzamba ngo sambela kate. Oyoka ka yete yepe ayoka ka yote oyebite ba prero saka soki ayoki soki ayoki pete soki amoni ngo soki amoni ba tebele le bazo sambela ndeko par imagination. Azo s'imaginer que nenga kenda ke église a nzamba ayoki. Pendant que Nzambe kuta zine kunate, po Nzambe fo yokaye. Nenge ozo yokangaboy. Nkolope fo yokaye. Il parle d'une manière tantôt d'une autre. Mais Dieu est spirituel. Il faut être dans son état dans l'état spirituel pour nous koyeba Nzambe. Nzambe yakate na malobazo ganga. Non, Dieu est spirituel. Il faut koyeba koyokaye. Nde bisika wapi Nzambe akopamola yo. Ngai na yoki Nzambe. Ebisinga yebisa bango mutu oyo akoyoka se agoka matea oyo pasi na ye ya lelo ekokoma souvenir na ye ya kala oyo zo traverser na minicho yo mama na vina yo na bomo ina yo na makambu nyoso zo traverser lelo tikete koma histoire o banda pe koyebisa bana na yo bakoko na yo plus tard qu'est-ce que tu diras à tes enfants à propos de l'année 2019. Demain ou après-demain, tu les rencontreras quoi de ta vie à propos de l'an 2019. C'est ça la prière. C'est ça le séminaire. C'est ça le travail que Dieu attendait qu'il te donne pour déclencher, activer la foi en toi et aussi l'exaucement de tes prières.
au sambela, au jena, au priya, au kota ba séminaire pe, au kota ba, ba retraite, mais au bima, au mona ki eloko moko échanger ezate. Mais nzela oyo ya séminaire oyo, nzamba ko expliquer yo pourquoi. D'où vient la source de ta souffrance? Nzamba lobi na ngai 3 jours oyo bokoleka. Après 3 jours, yona église mobimba beaucoup ta prière. Tango kozana séminaire okoyo ba programme après séminaire, qu'est-ce qui va se passer pour que moi oyo kotika là, il y a décembre, avant le 31 décembre, mutunyo so akota 2020 avec une très grande destinée. C'est-à-dire que c'est un travail qui est destiné à ta destinée. Voilà pourquoi nazo bengisa yo yo mutozo landangai ata osambela quelque part ata osaka quelque part na bisek bino la dernière fois ezaka ka libende nde gizaka libende mususu. Donc ngana za libende yo poza libende tokutana to se guiser ensemble pour to koma raffiner. Donc na bengisio le 8, le 9 et le 10 novembre à wana SGR à la Bruche. En tout cas, bien aimé nangai maman papa ozala déçu te. Yakana bana na yo. Kotika ba ona ndakute. Yakana bande kuna yo. Kotika ba ngote. Yakana mwasi na yo. Yakana mobile na yo. Kotika ba ngote. Parce que message e kozala message moko spécial. Pona tina na moko na moko na bango. Donc na bengisi bino pona séminaire et nzambe akoko vraiment ko pambre. Ne na ibisaki il faut se vendre à Dieu pour être béni. Ce qui n'a pas été quitté, il n'y a pas été quitté. Moyen, il n'y a pas été quitté. Donc, ce qui est au une première pâté, il n'y a jamais pas été quitté. Kolo bateke na kotika sika nzamba kitati kisanga moko menga mona te yo moko na ni fo se vendre pa na ye do yo moko na ni fo banda na pa moko comme ça ya ko selisa yo après. Donc na bengi si yo ndeko ata osio lemba ya ata to sambele na yo kala o moninga li susu lelo mama papa langa na bengi si yo ya kali su to kutana ezali un travail spécial pour na fin ya année oyo oyo mulimu na nzambe lingi ko sala nano monate nano yokate mais ekozala uniquement pour na tina na yo yango to bengi si yo oya ozo pe révélation. Ma kamu na nzambe c'est pas révélation. Yango to bengi yango 3 jours de révélation. Ma kamu na nzambe za te ka koye ba ebiso non. Wane za makambu ya batu. Mais si tu veux avoir quelque chose qui vient de Dieu, tu dois être révélé. Les prophètes ce sont des gens de révélation. Il faut que Dieu les révèle qu'est-ce qui se passe réellement dans ton inaman, ning banglais baloba, inaman, c'est-à-dire muto akati. Qu'est-ce qui se passe? Dans muto extérieur te. Moi ce travail c'est pour muto intérieur. Donc ce qu'on prie kana kanda, on prie kana en, on prie ka na batumusu so tiana prison motema na yo. Jamais yé nan zéra nan gaïté. Ça dit que nzamba kotika la jamais koyokayo. Ya on a ici église. Eza ma bondeli, ezali séminaire batu bakukota. O imitema na bango ezali pré. Pona tina baza la béni. Et non pas motozana haine, ozana blessure intérieure. C'est pour cela tant mokoya. Nzambe ako pense nan ba plaisir na yo intérieur. Osa blessé, osa qui déçu, osa qui vraiment rejeté, osa qui n'a pas problème, il y en a contrebattu. Nzambe a ko lavé nan motema na yo. Parce qu'il y a que ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Donc to bengisi bino. Le programme nabiso ya église ezali chaque mardi tozana culte de 19h à 21h. Chaque vendredi aussi de 19h à 21h et chaque dimanche de 15h à 18h awa na espace la Bruche na salle 26 na premier étage. Donc numéro à contact ezali 06 58 25 80 00. Donc voilà numéro à pasteur
est ouvert à tout moment, 24h/24. Donc, on peut venir à minuit, à 3h, à 4h, parce que c'est ce que nous avons. Donc, voilà, on ne peut pas en tout cas, nous maman au Tcholoba, et Zali, émission, et Ali Bosopé, à Soukate. Ceux qui ont des questions, Zali, ceux qui me tournent, Zali, ou bien ceux qui côté tout bon, c'est Zali, tous Zali ouverts pour nous tirer dans Yango. Na lingi bino mingi, mais Jésus-Christ de Nazareth vous aime encore beaucoup plus. Donc, motema na ngai nazanga rankinye na motu mote. Ata ba oba beta ba chola ba finga, sachez que vous êtes tous les jours dans le prière du prophète Willy. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi Lionel Mayakapongo, o azabongo na sima caméra. Na pesi merci mingi na azikondo putu mwa na pasteur Mitseti. Voilà, pasteur Mitseti, à ma grande sœur chérie Eliane Ochudi, pas Jongenda, l'ami de tout le monde, ma bengi Sibino, hein, boya vraiment les 8, le 9, le 10, bon, Zala, des suites, na remercie, bah, Fanny, surtout, à Flairmonde HD, nazomon a déjà bon, Falantona, bah, on a surtout à l'ingara, Flairmonde HD, donc, bon, hésitez, bon, s'abonner, na bon, peut-être, autant l'émission, oh, bon, s'abonner vraiment, massivement, bon, mon ara, ma mambasika, donc, voilà, bah, si j'ai zébélé, na prophète, et la première émission, mais, bah, émission, et zébélé, à Oluba, vraiment. Donc, à Oluba, bon, vous allez vraiment décider. Merci encore à toi, maman Espé Guilaine, pour la prière. Mouté Maya, Devos Moussoba. Merci, na Nicole Fienga, à Saint-Serre, Kuna à Lille. Mouté Maya, papa José Kaloudji, na Pessimino, surtout, Bamboté. Jambé à Pambola Bino. Na Lola Bakoyemba. Elonge monani, yawe kumama, yobongi nalokumu, yawe, aleluya nakolo, yeko sina yuda, yawe kumama, yobongi nalokumu, ungana tika kolela lelaka, ngana longola loboko na litama, bona yebiete, masi ya longa ki. Gloire aussi nous te louons, ta gloire manifeste, béni soit ton nom, tu es digne de louange.